Bah oui, j'avais commandé On commence ce magazine avec l'événement Drone Altitude. Cécile Rabeau. Quoi? Oui. Bon, moi j'en suis content. Pascal Bastanti. Quand on teste. Quand on, on est prêt là. Bon, c'était l'heure de l'apéro au départ, mais. Vrai, ça y est, je suis dans l'herbe. Ah oui, t'es dans... Oh là là, et là. Ah ouais. Mais attends voir. Attends voir qui décolle. tu vas comprendre. On va pas rester dans l'herbe longtemps. Oui, c'est ça, oui. En plus, on a de la chance avec ton monsieur, ils sont pas mal. Ouais, ah là, t'es en train de me frotter les yeux. Là-haut, il y a du brouillard, hein, par contre. Pendant deux jours à Isola 2000, les gens ont pu essayer des drones de compétition. Là, nous sommes la veille avec les organisateurs et nous faisons un petit essai. Pour sûr que ça va bien. Moi, j'ai jamais essayé les HGO, mais je veux pas les essayer parce que je veux encore acheter un truc. Oui, c'est ça. Non, le masque, j'en suis très content. Oui, mais là, les HGO... Pour le long-range, il est top. Non, mais t'emmerdes pas avec les HGO, le masque est mieux. Ah ouais? Non, mais moi j'adore l'écran du masque. Oui, oui. Et là j'ai l'impression d'être dans Fourmise. Je mets juste un DVR. Oh putain. Il bouge pas. Au programme, il y a aussi un vol virtuel façon windshoot. C'est ce que Cécile va essayer tout de suite. Si t'as pas l'habitude. Après le décollage, l'oreille interne, elle va pas suivre. Elle est peut-être solide son oreille interne. Ouais, ça va. Je suis binôme parapente en distance. Waouh! Wow. Bon, on va passer entre les filles. Hein. Ah ouais. Hugo, qu'on surnomme Dr. Helmet Brown par rapport à Retour vers le futur, vient de lancer un drone de compétition dans la montagne et Cécile profite de la vue. Ça, c'est beau! Quand tu tournes un peu trop comme ça, ça fait bizarre en fait. Les armes là. Ah non, c'est génial. C'est génial, génial. Ah, je le vois. Il remonte là. Ouais, mais en fait, t'as vraiment la sensation de. Il faudrait qu'on soit allongé pour remettre le truc. On passe au-dessus de la piscine. On arrive. L'essai est concluant, on va pouvoir attaquer ce week-end chargé de drone altitude. Le lendemain, au milieu du front de neige, un espace drone a été aménagé avec des filets et les gens peuvent s'essayer au pilotage. On vous met un masque de pilotage sur le visage, on vous donne des manettes et quelques explications et c'est parti. Là, nous sommes avec Hugo qui est chargé de vous fournir des sensations fortes. En voiture, Simone. Je connais pas encore. Il y en a combien dans la forêt? Plein. C'est un bon chiffre. Bon, vous avez vu Retour vers le futur, on a Doc avec Helmet Brown. Helmet. Bon, il s'appelle Hugo et ce qui veut pas dire, mais nous on le sait, c'est que c'est l'un des meilleurs pilotes France. Le drone. Laurent, donc, deux jours consacrés aux drones à Isola 2000, ce sont des drones un peu spéciaux. Oui, effectivement, ce sont de véritables drones de course que l'on a légèrement réglés et bridés de manière à ce qu'ils soient plus facilement pilotables par le grand public et par des gens qui n'ont jamais touché un drone de leur vie. Ils profitent donc d'un retour vidéo pour piloter, donc comme en réalité virtuelle, avec un masque que vous pouvez peut-être voir sur les images derrière nous. Ce sont des véritables drones de course, hein, c'est du carbone, des machines dans le jargon qu'on dit 4S, donc avec des batteries assez puissantes.
Ils sont capables, quand ils sont débridés, d'aller à de grandes vitesses. Quelle vitesse, par exemple ? Alors, en vitesse de pointe, on va dire entre 120 et 130 km/h. Voilà. Ah oui, quand même. Alors, est-ce qu'il y a des compétitions ? Je crois que oui. Il y a un championnat, il y a quelque chose déjà ? Oui, tout à fait, oui. Il y a une Coupe du Monde, il y a un championnat de France, d'ores et déjà, hein, qui existe depuis maintenant quelques années. Il y a des compétitions officielles, il y a des compétitions non officielles. En fait, oui, il y a tout un sport. C'est un sport très réglementé également. Hein. Il y a des règles précises à respecter, que ce soit pour les appareils, pour les circuits, pour l'organisation et pour la sécurité également. Bon, et un drone de compète, ça peut valoir combien ? Alors, la question est un peu ardue. On peut s'équiper aujourd'hui pour entre 500 et 1500 euros pour commencer, voire parfois un petit peu moins dans certains cas, mais c'est quand même difficile. Ensuite, un drone de compétition utilisé par des compétiteurs en Coupe du Monde, vous comptez 1500 euros le drone seul. Oui, parce que je sais que déjà, rien que le masque, ça vaut au bas mot au minimum 500 euros, non ? Alors oui, il y en a à tous les prix, mais un masque un peu sérieux qui va vous durer dans le temps, il faut compter entre 450 et 600 euros. Ouais. Bon, et là, est-ce qu'ils arrivent, les gens qui viennent là, ils arrivent, je vois qu'il y a un slalom, ils arrivent facilement à finir le slalom ou ils passent de porte et ils foutent le truc dans le filet ? Alors, ça dépend un peu de comment ils écoutent les deux instructeurs qui sont là, que sont Cédric et Will, qui leur dispensent, je dirais, les bons conseils pour pouvoir piloter sereinement. Après, on a parfois de très très bonnes surprises. Il y a des enfants qui sont très très doués. C'est souvent les hommes qui écoutent le moins, qui sont plutôt à chercher souvent la performance qui se crache le plus. Et on voit souvent des jeunes filles et des femmes réussir parce qu'elles sont beaucoup plus attentives et précises dans les commandes et plus douces. Et finalement, elles vont plus vite. C'est un peu comme la légende de la femme au volant, la mort au tournant. En fait, c'est plutôt le contraire. Ah bah dans ce cas, dans certains cas, oui, tout à fait, oui, complètement. Oui. Après, il y a aussi le vol virtuel en wingsuit. Ça, c'est sympa aussi. Alors ça, c'est une grande première, hein, puisque ça n'a jamais été fait, à notre connaissance, en public et avec du public que l'on emmène. C'est effectivement, ça se passe derrière nous, c'est notre pilote Hugo, qui est un pilote qui est évidemment, j'allais dire assermenté, mais ce n'est pas le cas, qui est diplômé, qui a déposé un plan de vol spécifique pour cette activité, et avec une machine qui, elle aussi, est homologuée. C'est ce qui nous a permis de faire ça aujourd'hui, de proposer cette animation à Isola 2000. Alors, ils vous embarquent avec vous. Là, vous pilotez pas. Les gens, vous asseyez et vous pilotez. Vous profitez, pardon, d'une descente depuis pas loin de nous, là, du front de neige, à quelques centaines de mètres du départ. Et c'est une descente un peu vertigineuse, comme si on faisait effectivement du wingsuit, mais sans prendre le moindre risque. Bon, ben sympa à renouveler alors. Eh ben j'espère. En tout cas, pour nous, on estime que c'est une réussite. On a eu, je pense que sur l'ensemble du week-end, on aurait eu pas loin de 500 personnes qui auront essayé ou profité d'un tour. Donc oui, on est très 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 contents. Ouais. Merci. Allez, on va faire un petit tour avec Hugo. Survol du domaine skiable d'Isola 2000. Côté front de neige. C'est résistant. Atterrissage et au suivant, de nombreuses personnes ont profité de cette animation. Regarde si tu as de l'image. Je vais essayer de le tenir plus de 10 secondes en l'air. Ils
Ah, bon. Je me vois. Ah, là, je me vois. Ça va, tu te vois bien. Salut, Cécile. Touche à rien. Ah, oh là là, là, je marche. Hop, quand t'es prête, tu mets celui-là à fond et après tu gères avec celui-là. D'accord. Allez, on y va. Lâche, lâche, lâche. À gauche, un peu à gauche, à gauche, à gauche. Encore un peu. C'est bien. À droite, à droite, à droite, à droite. C'est bien. Ouh, l'espace d'en marche. À gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche. C'est bien. C'est bien. Oh là là, oh, c'est chaud. Mais en avant. Beaucoup, beaucoup en avant. Beaucoup en avant. Voilà. Ah ouais, je vais passer dans l'arche. Ouh! Ah ouais, ça y est, je suis passé! Waouh! Ouais. Franchement, bien! Waouh! Allez! Bon, je allez! Je t'arrête! Ouais, je t'arrête! Je suis à l'envers! Pour la batterie, en fait! Je suis à l'envers! Il n'y a plus de lipo! C'est génial, mais en fait, t'es dans le truc, quoi! T'es dans le truc et en fait, tu penses à tourner, mais t'oublies d'avancer, tu vois! Donc, il y a des moments où t'es là, tu te dis, ben. Il y a eu aussi une animation nocturne, là vous voyez le parcours balisé avec des LED et Cécile qui fait décoller un drone. Elle est habillée en licorne, je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Très belle animation qui a réuni plus de 500 personnes pendant le week-end et atterrissage sans encombre pour Cécile. Nous sommes au village d'Isola et nous allons rendre visite à Sandrine Agnelli au four de Pépé Pierre. Sandrine, donc ici on est dans le four de Pépé Pierre qu'on a bien connu, alors dis-nous un peu. C'est ça, c'est le four de Pépé Pierre, vous l'avez connu récemment, enfin ces dernières années, quand pendant 10 ans Maxime et une équipe de bénévoles le rallumaient à l'occasion de la fête des châtaignes, hein, pour vendre, confectionner, vendre du pain, des pizzas saladières, des tartes aux pommes, avec tout le bénéfice donc pour des œuvres caritatives. Avant, il était utilisé par mon père, mon grand-père, Pépé Pierre et Joseph, parce qu'ils étaient les boulangers du village. Et donc, nous avons hérité de ce four. Et comme nous nous sommes installés définitivement à Isola, la nouvelle vie pour Freddy, mon compagnon, c'est de faire de la bière. Et donc, on s'est installé initialement ici, tant que l'espace le permet. Et on va donc commencer à tester des recettes pour fabriquer une bière, la bière d'Isola, la bière locale, artisanale. Donc ici, on a fait une petite exposition pour rappeler l'esprit de la boulangerie, donc avec l'ouverture du four pour la fête des châtaignes. Donc on peut retrouver le pétrin qui date de 150 ans, le four qui a la capacité de 300 pains, qui mettait une semaine à chauffer à l'occasion de la fête des châtaignes, et on a gardé vraiment l'authenticité en y rajoutant des petites touches de brasserie. Et pendant ces deux jours, 14 et 15 août, on saisit l'occasion qu'il y ait du monde au village pour pouvoir présenter le projet de brasserie, pouvoir comprendre les ingrédients d'une bière, les étapes de fabrication d'une bière, ce qui nous motive à créer cette brasserie. Alors c'est un projet participatif ? Oui, alors participatif, plusieurs raisons. Enfin, bon, déjà, on souhaitait que tout le monde donc puisse bénéficier. Là, on a fait des éco-cups, hein, pour pouvoir arrêter d'utiliser des verres jetables. Donc là, on l'a vraiment offert en fait à la population pendant la fête du 14 juillet au 15 août, encore aujourd'hui. Ensuite, on va faire une campagne de crowdfunding, donc c'est du financement participatif qui se fera sur Internet, où on peut précommander en fait des packs de bière, ce qui nous permet à nous de rentrer de l'argent pour financer. Et aussi, comme on s'intéresse à planter du houblon, à cultiver du houblon, qui est un ingrédient important de la bière, en fait, on voudrait proposer que tout le monde puisse aussi planter, cultiver du houblon dans son jardin
et que ce soit le houblon de la brasserie d'Isola. Voilà. Donc après, quand on aura récolté les cônes, si vous récoltez les cônes dans vos jardins, vous venez, on les pèse en fonction, on voit en échange de bière, etc. Donc on le veut participatif comme ça. Et même pour le nom, parce qu'Isola Bière, Isola.beer, c'est le concept, on va dire. Le point beer remplace le point com. Mais le nom de la bière, on a des idées, mais on est aussi ouvert à ce que les gens participent sur un nom, qu'on puisse faire valider tous ensemble, également sur quel type de bière vous préférez. Donc on sait qu'on va partir sur une bière à la châtaigne et une bière avec du miel d'Isola. Voilà. Pour le reste, je demande à ton compagnon. Voilà, c'est ça. Lui, il est en train d'expliquer vraiment en profondeur le fonctionnement, etc. Parce que c'est lui qui maîtrise vraiment cette partie-là. Quoi. Je te remercie. Merci. Freddy, alors, donc, ce projet, toi, tu sais faire la bière, a priori. A priori, je sais faire la bière. J'ai fait une formation, je suis allé me former dans une brasserie dans l'Oise. Et puis, j'ai brassé dans une brasserie à Toulon et à Toulouse. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu, alors, comment ça se passe. Eh ben déjà, ça va se passer pour la... Ici, on se met en place dans le local. L'équipement arrive petit à petit. Et puis, je vais commencer à faire venir les ingrédients et je vais préparer mes recettes. Alors ça va demander un certain temps pour mettre au point une, deux, trois recettes, on ne sait pas encore. Et puis il viendra le temps où il faudra faire goûter aux habitants, aux isoliens, aux gens de passage et puis voir quelle recette plaît, est-ce qu'elle est trop amère, peut-être trop alcoolisée, pas assez. J'aime bien des bières un peu plus sucrées, voire fruitées, fruits rouges, je ne sais pas. On va travailler un peu aussi avec les habitants et leur faire découvrir le monde de la brasserie artisanale. Oui, parce que donc il faut du houblon, il faut quoi ? Il faut de l'orge. Alors les quatre ingrédients de base, c'est pour commencer de l'eau, 98% environ, beaucoup d'eau. Mais après c'est de la céréale qui a été maltée. Chez nous, c'est plutôt de l'orge, du blé, mais il y a tout un tas de céréales qu'on peut intégrer dedans. Et puis, on a en plus petite quantité, mais qui est assez important dans la fabrication de la bière, c'est le houblon. Hein. On a des houblons amérisants, des houblons qui vont nous permettre de donner un degré d'amertume dans la bière. Et puis, d'autres houblons qui seront plutôt sur les arômes. Et là, on va pouvoir jouer avec des palettes d'arômes. Fruits rouges, fruits exotiques, mangue ou plutôt des agrumes, citron, pamplemousse. Et puis après vient la levure et voilà, l'alchimie va se passer après dans les cuves de fermentation et on va patienter pour quelques semaines avant de pouvoir goûter. Il y aura peut-être un peu de châtaigne, j'imagine. Ah, on me l'a beaucoup demandé, la fa aussi. Effectivement, on va essayer de faire une recette à la châtaigne. On a aussi Léon qui fait du miel à Isola. On va essayer d'intégrer dans une des recettes le miel d'Isola. Et puis voilà, on va... Bon, il n'y a plus qu'à goûter. Bon, on va essayer de pas... On recrache ou... À brasser et puis à vous, à goûter. Et vous nous ferez part de vos... C'est un peu l'idée aussi de faire goûter avant de pouvoir vendre, avoir des avis différents de gens... qui seront à même de pouvoir nous acheter la bière le moment venu. Alors, on va goûter quand ? Soyons concrets. Eh ben, concret. On est au démarrage du projet, concrétiser l'installation. Et puis, j'espère à partir de septembre pouvoir brasser et pouvoir faire goûter dans une moyenne qui est en général pour la bière entre un mois et demi à deux mois pour la fermentation. Pour la fête des châtaignes ? La fête des châtaignes, ce serait pas mal. Ok, ben le rendez-vous est pris alors. On va essayer de s'y tenir. Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, je vous emmène faire de l'escalade. J'ai pris mon boudrier et mes chaussons et je vais vous montrer ce que c'est l'escalade à Isola. Pour commencer, il faut emprunter le début du chemin qui va au lac de Terre-Rouge. Et quelques minutes plus tard, vous arrivez sur le mur d'escalade où Christian Sounier, le guide de montagne, donne des cours tous les mercredis. Sur le plus
Ici, on est équipé de combien de voies ici? 3 voies. La plus petite fait 12 mètres et la plus longue fait 22,50 mètres, 23 mètres. D'accord. Et le niveau? Niveau débutant, on est dans le 4 sup, hein, c'est-à-dire que là, on commence à mettre les mains, les pieds, on est obligé de réfléchir et on a besoin de cordes. Damien, ça va? Ça se passe bien? Oui, tout est parfait. C'est ta première fois? Ici, ouais. Ouais. D'accord. Bon, on est en train de papoter, mais on est tout en haut, on est en train de grimper. Ils sont tout en bas. Bon, ça va? Pas trop chaos? Non, bah, c'est la dernière. Ok. Bon, on a un super panorama. Moi, j'ai bientôt fini, il ne me reste plus grand-chose. Et ça fait du bien de grimper. Ok, Damien, prêt pour le rappel? Pour la descente. Allez, on y va. Canon. Super. Et voilà. Je suis arrivée en haut. J'espère que j'ai fait des belles vidéos. En tout cas, on a une superbe vue. Et je descends tranquillement. Voilà. Rémi qui m'a assuré sur cette voie. Merci Rémi. Pendant un quart d'heure, ça a été l'homme de ma vie puisque c'est lui qui m'assure. Donc, merci Rémi. Le guide de montagne est là tous les mercredis et sinon les voies sont à votre disposition si vous êtes des alpinistes chevronnés. À peu près 1 km après le col de la Lombarde, en descendant côté italien, sur votre droite, vous avez un chemin qui part vers le col dei Morti et le Pas d'Orgial. Nous allons le prendre, mais d'une façon assez originale, en le survolant. Le chemin est carrément tracé dans les pierres et a demandé beaucoup de travail. Arrivé à cet endroit-là, vous avez la bifurcation pour aller à droite vers le Pas d'Orgial, à gauche vers le col dei Morti. Là, nous continuons sur la droite, donc vers le Pas d'Orgial et le lac d'Orgial. Si nous avions pris sur la gauche vers le col dei Morti, de l'autre côté, il y a les lacs à verre. Le point de départ sur la route était de 2260 mètres d'altitude. Et vous pouvez constater que la pente est assez raide. Vous voyez que le chemin monte en épingle. On peut, une fois qu'on est de l'autre côté du col d'Orgial, descendre donc sur le lac d'Orgial et dans le Rio Freddo jusqu'au refuge de Malaverne, qui lui se trouve à 1835 mètres d'altitude.
du col d'Orgial, qui est à 2600 mètres d'altitude, et nous allons finir à pied. Le chemin qui est toujours tracé dans la pierre. Et là, le col d'Orgial à 2600 mètres d'altitude. De l'autre côté, le lac d'Orgial à 2130 mètres d'altitude.